Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. Semaine du 29 janvier au 5 février 2023. On va regarder ce qui se passe pour quel signe. Et ça se fera avec un oracle cette semaine. Je vais vous expliquer. Donc, on va déjà regarder pour quel signe ici. Oh, les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qui arrive cette semaine pour vous? On va voir. Donc, comme je le dis. Bienvenue déjà sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le moment, on reste sur cette chaîne. Je suis en train de régler les choses avec YouTube. Simplement que vous le sachiez. Vu qu'il y a des mélanges de comptes, je vous l'ai déjà expliqué, de monétisation et de vues. Bon, merci de rester sur la chaîne. Merci pour votre présence. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour que ça aide la chaîne. Parce que c'est vraiment pas facile pour moi. Sachez-le, et je persévère et j'irai jusqu'au bout, sachez-le aussi. Donc merci à vous déjà pour ça. N'hésitez pas aussi à demander une guidance privée si vous le voulez. Vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. Et pour ce tirage la semaine, on va faire avec un oracle parce que j'ai fait un sondage. Je demandais oracle, petit Lenormand comme je fais à 13 cartes ou tarot. On m'a demandé avec un oracle. Alors, on va faire avec l'oracle de G. On va regarder aussi deux énergies. Une énergie du tarot pour la semaine, une énergie du petit Lenormand et à la fin, un conseil des maîtres ascensionnés. Je vais mettre ici, pas que j'oublie. Voilà, chers amis Capricorne. Donc, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous cette semaine. On va regarder l'énergie principale. Donc Capricorne, semaine du 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février 2023. Pour les Capricornes, 29 janvier, 5 février. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes? Elle est sortie plusieurs fois. Il y a des choses qui sont bloquées, en arrêt, où il manque quelque chose, où il faut observer les choses sous un autre regard, un autre angle. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, l'énergie principale semaine du 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février, quelle énergie? Pour cette semaine. L'énergie de la lune, oui, il y a tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair exactement. Oh, il y a quand même le soleil en dos de deck. Chose bien. La lune nous dit, bon, pour prendre une décision, ben, je dois écouter mon intuition. Pour éclaircir la situation, il y a quelque chose de flou, quelque chose que je dois éclaircir. Il faut que je prenne le temps et que j'observe. Et j'écoute mon intuition, mon ressenti. Et puis faites vos recherches aussi, éclaircissez les choses pas claires hein, avec la lune. Ça veut parler aussi au niveau sentimental de choses, de personnes triangulaires. Dans les contrats, soyez attentifs. On va voir avec ici le petit Lenormand. Il y a un bon mois de février qui arrive, hein, mais il y a encore des choses à régler. Ce que je vous avais dit pour cette semaine, les Capricornes, en tout cas pour moi, ça s'est réalisé. Il y avait encore bah, des choses cachées, il y avait encore des manipulations, des mensonges. C'est de la part de YouTube, parce qu'ils me disent que je suis monétisée. Ils m'envoient un message que je ne suis pas monétisée. Après, ils me disent que je suis monétisée. Quand je leur dis, mais je ne suis pas monétisée, vous m'avez envoyé un message. Ils montent, c'est de la manipulation, et ça, je ne supporte pas. Il faut que les gens soient clairs. Hein. Donc, pour moi, le tirage parlait. Mais ça va s'éclaircir parce qu'il ne faut pas laisser tomber, comme je vous ai mis dans la communauté. Capricorne, semaine du 29 janvier au 5 février 2023. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes? Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Kelly, tu descends? Ellie, on se fait du souci, on s'inquiète. Ok, bon, il y a toujours des choses qui ne sont pas encore totalement réglées. Je vous promets, je vous jure que ça va s'arranger en février. On va déjà voir ce que nous dit ici cet oracle.
Bon, de boire un petit peu. Kelly, tu descends. Alors, on y va pour les Capricornes. Donc, on se fait un petit peu du souci. Quelque chose qui nous ronge. Ok, ok, ok. Capricorne, semaine du 29 janvier au 5 février 2023. 29 janvier au 5 février 2023 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les Capricornes? Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, semaine du 29 janvier au 5 février. 29 janvier, vous pouvez regarder bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire. On nous parle d'une situation bloquée par rapport à l'immobilier. Alors, on va voir la suite. J'interprète plusieurs choses. Semaine du 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? C'est comme un cadeau. 29 janvier au 5 février. Et c'est confirmé. Je vais prendre des cartes par la suite. J'ai regardé ce qu'on nous dit là. Ouais, on dirait qu'il y a une situation. Si on voit ici l'immobilier, il y a peut-être pour certains des démarches à faire. La situation hivernale, on dit que ça, c'est gelé. C'est gelé. C'est-à-dire que dans les démarches, normalement, qui avancent, qui bougent, qui permettent de faire des démarches ici, c'est un peu comme le pendu, la carte de l'hiver. On nous dit c'est froid, ça c'est gelé, ou ça crée des conflits, la situation n'est pas top correcte. Mais en même temps, on nous dit que avec votre force, votre courage, votre persévérance, chers amis, c'est comme un cadeau et on nous le confirme. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, soit ça peut parler aussi d'une situation à surmonter. Il y a des complications, il y a un blocage sur une situation pro. Ça peut être amoureux. Ça peut être, on va compléter. Ça pourrait être, vous savez, la montagne qu'on a dans le Tilleul Normand. Ça peut être le pendu. C'est gelé, c'est compliqué. Mais en même temps, on nous dit que c'est un cadeau, que ça se passe comme ça. Comme une protection. Et c'est surtout confirmé. On nous dit que c'est vraiment comme un cadeau qui vous est offert là. Capricorne, 29 janvier. 29 janvier au 5 février 2023. Capricorne, 29 janvier au 5 février 2023. Quel message? Vous allez devoir prendre une nouvelle route ou vous voulez prendre une nouvelle route. Parce que là où vous êtes, c'est une situation désuète ou c'est en relation avec une personne âgée. Souvent ici, c'est quelque chose qui est ancien avec la personne âgée ou il y a un lien avec une personne âgée. Tout le monde ne va pas déménager, bien sûr. On voit qu'il y a un nouveau chemin emprunté. Capricorne. 29. Rapport avec la justice, quelque chose d'officiel avec la justice. Où on retrouve un équilibre. 29 janvier au 5 février. 29 janvier au 5 février. Alors. Qui se termine. Je prends les cartes qui sont tombées, les dernières, il y en a un peu plus. Une situation d'instabilité qui se termine, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à quelque chose que vous appréciez. Une situation qui était ancienne, qui va prendre une nouvelle route. Mais cette semaine, on dit qu'il y a quelque chose qui va être en attente ou qui est en blocage, qui peut concerner l'immobilier, donc achat, vente, ou votre appartement, ou les travaux par rapport à votre appartement.
Sinon, c'est une situation de blocage et de difficulté. Le mont, c'est la difficulté sur une situation générale qui va changer, qui se termine, qui peut être une histoire de cœur, qui peut être une histoire de travail passion, qu'on aime beaucoup, qui nous tient à cœur. La fin d'une instabilité, on retrouve un équilibre, oui. Mais on nous dit que c'est comme un cadeau. Cette pause-là, il y a un arrêt hein, qui nous prend un peu la tête. Il y a des choses pas claires. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui va être bloqué sur notre cheminement. Mais c'est pour notre bien. Donc peut-être pas signer trop vite. Je n'ai pas le contrat, mais... observez une situation. Hein. Cherchez, écoutez votre intuition. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? C'est bien que je prenne ce nouveau chemin ou pas? Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Un problème, une instabilité. Qui pourrait même aller devant la justice. Une situation qui dure depuis longtemps. J'ai plusieurs probabilités ici pour vous. Et on prend un nouveau chemin. Oui. On nous dit que c'est un cadeau pour vous. Donc prenez-le positivement. Oui. Mais c'est gelé. Ça peut être soit concerné l'immobilier, je vous le redis, il y a quelque chose qui sera un peu en arrêt, peu importe pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avec les deux cartes du début, il y a quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Vous allez vous prendre la tête, vous ne saurez pas trop, il y a des blocages, des gens qui ne signent pas, des gens qui ne viennent pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez voulu ou qui n'est pas clair. Bon. Vous persévérez, vous agissez, vous aurez un cadeau qui va être confirmé. Hein. Vous recevez un cadeau. Pour moi, cette situation de blocage, d'arrêt est un cadeau. C'est peut-être voilà, quelque chose qui ira devant la justice, mais il y a la fin d'une instabilité. Ça, c'est sûr. Voilà ce que je vois pour vous. S'il y a eu quelque chose, on retrouve l'équilibre ou il y a quelque chose en justice à voir pour la semaine. Je peux couvrir, si vous le voulez, je vais juste voir une carte supplémentaire pour les Capricornes, 29 janvier au 5 février sur la justice. Une carte supplémentaire sur la justice pour les Capricornes. Carte supplémentaire sur la justice pour les Capricornes. L'impératrice. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Vous aurez gain de cause. Vous aurez, ouais, il y aura justice. Il y a un équilibre retrouvé. Justice vous est faite. Ok, c'est positif. Une carte supplémentaire sur les tours, sur les maisons. Pour les Capricornes, 29 janvier au 5 février. Une carte supplémentaire sur la tour. Pour les Capricornes. La semaine du 29 janvier au 5 février. Sur les tours, on a à nouveau la force. Il faudra persévérer par rapport à certaines difficultés sur votre chemin. La justice nous dit que c'est positif. C'est pas une affaire forcément justice. En tout cas, vous avez gain de cause, hein, l'impératrice. Il y a quelque chose qui porte ses fruits si vous avez mis quelque chose en justice. Fin d'instabilité sur une situation. Un équilibre retrouvé. On prend une nouvelle route. Et on a ici quelque chose de gelé, mais c'est un cadeau pour vous pour le moment, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Ou on essaie de vous manipuler, de vous mentir, mais vous allez avoir ça. C'est le plus important. Cadeau qui revient du ciel, là, qui est là pour vous, chers amis Capricorne. Merci pour vos retours, merci pour tout. On se retrouve tout bientôt. Au revoir et belle semaine.